Horoscope du 29 novembre 2023. Bonjour, voici l'horoscope du jour pour tous les signes du zodiaque. Horoscope Bélier. Vénus sera en mauvaise posture dans votre ciel, ce qui peut vous rendre mal à l'aise dans le domaine amoureux. Si vous êtes marié, les obligations quotidiennes prendront le pas sur les sentiments. Si vous êtes célibataire, vous pourriez éprouver des doutes sur vos sentiments et être attiré par quelqu'un avant de perdre tout intérêt. Sur le plan financier, des circonstances indépendantes de votre volonté pourraient entraîner des dépenses imprévues et mettre votre budget en difficulté. Il est donc conseillé d'être prudent pour garder le contrôle de la situation. Pour prévenir le vieillissement, privilégiez les vitamines C et E présentes dans les fruits, les légumes, les noix et les huiles végétales. Au travail, vous ferez preuve d'originalité et votre travail quotidien vous apportera satisfaction. Dans la sphère familiale, vous bénéficierez d'une période paisible et sécurisante, axée sur le foyer et les enfants. Enfin, vous serez encouragé à adopter une attitude positive envers vos amis, en appréciant leurs qualités plutôt que de vous focaliser sur leurs défauts. Horoscope Taureau. Vénus et Mars vont influencer votre vie conjugale avec votre conjoint qui se montrera attentionné et sensuel. Si vous êtes célibataire, vous aurez envie de tomber amoureux, mais soyez prudent dans vos choix. Sur le plan financier, recherchez des opportunités de promotion ou de placement avantageux, mais soyez strict dans la gestion de votre budget. Votre santé sera fluctuante, donc évitez les régimes extrêmes et prenez du temps pour vous détendre. Dans votre travail, vous devrez faire face à l'hostilité de vos collègues, mais restez concentré sur le développement de vos affaires. Accordez également de l'importance à votre vie familiale et cherchez à améliorer votre confort et bien-être. Vous serez submergé d'émotions, mais si vous parvenez à les contrôler, vous pourrez obtenir des avantages grâce à votre charme et vos talents. Finalement, il vous faudra donner une base solide et durable à ce que vous aurez obtenu facilement. Horoscope Gémeaux. Les aspects astro favorables du moment vous apporteront une passion renouvelée pour votre partenaire. Il est suggéré de planifier une escapade romantique pour revivre les moments heureux de votre lune de miel. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous rencontriez enfin votre âme sœur. Cependant, ne restez pas simplement à attendre cette rencontre. Fréquentez les endroits où vous vous sentez à l'aise et présentez-vous sous votre meilleur jour. Soyez conscient des dépenses impulsives que vous pourriez regretter par la suite et revenez rapidement à la réalité. Votre énergie vitale sera élevée grâce à l'influence positive de Jupiter, mais vous devrez travailler pour la maintenir. Cela implique une bonne hygiène de vie, une alimentation équilibrée, un peu d'exercice et éviter les produits stimulants. Sur le plan professionnel, l'aspect d'Uranus peut créer une ambiance agitée et désorganisée, ce qui rendra difficile de faire du bon travail. Vous devrez faire preuve de concentration et de patience pour bien exercer votre métier. Malgré vos nombreuses obligations extérieures, vous trouverez du temps libre pour votre famille. Vous serez ferme avec ceux qui essayent de s'immiscer dans votre vie privée. Méfiez-vous des rencontres fortuites, elles ne vous apporteront rien de bon. Il est préférable de rester dans votre cercle social habituel et même de réduire votre cercle d'amis pour ne garder que les plus proches et les plus intéressants. Horoscope Cancer. Les natifs mariés bénéficieront d'une puissante protection astrale avec le Soleil, Jupiter et Saturne dans leur ciel. Cela devrait leur garantir une vie conjugale très heureuse, marquée par une atmosphère de paix et de complicité. En revanche, les célibataires pourraient vivre une belle aventure amoureuse, mais leur partenaire pourrait se montrer jaloux et envahissant. Sur le plan financier, il est conseillé d'adopter une bonne stratégie pour éviter les erreurs coûteuses. Il faudra également faire attention à ne pas se surmener au travail, malgré les opportunités professionnelles favorables. Des conflits ou des démarches légales pourraient également survenir. Du côté de la vie familiale, Jupiter mettra en avant l'importance de se ressourcer auprès de ses proches. Il est conseillé de se méfier des personnes qui cherchent à imposer leurs conseils non sollicités. Il faut éviter d'être brusque, tout en ne se laissant pas perturber par ceux qui ne veulent pas vous laisser en paix. Horoscope Lion. Les impacts célestes qui perturbent votre vie amoureuse vont disparaître progressivement.
Saturne ne vous causera plus de problèmes, ce qui entraînera une nette amélioration. Avec l'arrivée de Vénus, le bonheur amoureux sera au rendez-vous, que vous soyez en couple ou célibataire. Sur le plan financier, vous avez tendance à adopter une attitude indifférente, mais la chance pourrait vous sourire aujourd'hui et vous permettre d'améliorer votre budget. Il serait judicieux de considérer un placement immobilier si vous gagnez une somme importante. Vous jouissez d'une bonne santé et d'une grande capacité de récupération après l'effort, mais évitez de trop vous pousser au-delà de vos limites. Des contrariétés et des retards peuvent survenir dans vos projets, ce qui peut vous décourager. Cependant, gardez à l'esprit que vous pourrez bientôt rattraper le temps perdu. Évitez les sujets sensibles avec votre partenaire aujourd'hui, car cela risquerait d'entraîner des disputes. Uranus vous conseille de maintenir des liens solides avec vos amis et votre entourage, car ils vous apporteront du réconfort et de la joie. Profitez également de l'influence positive de la Lune pour renouer des contacts agréables. Horoscope Vierge. Dans le domaine conjugal, il est prévu un bon climat et une progression prudente dans la relation. L'intuition sera un atout pour comprendre les réactions du conjoint ou du partenaire. Pour les célibataires, ils auront du mal à contrôler leurs sentiments, mais vivront des moments passionnés. Sur le plan matériel, il sera possible de développer sa situation grâce à une tactique habile, en avançant prudemment puis en prenant des risques calculés. Sur le plan physique et moral, la protection de Jupiter apportera une grande forme, mais il faudra faire attention à ne pas céder à la gourmandise. Si un projet est en vue, il est conseillé de le défendre rapidement auprès des personnes intéressées. Les proches parents pourraient être envahissants et demander des services, ce qui pourrait provoquer de l'irritation. Il est recommandé de faire preuve de souplesse dans les relations avec les autres et d'accorder de la considération aux opinions différentes. Horoscope Balance. Dans ce texte, il est mentionné que lorsqu'on est célibataire, une relation amoureuse peut évoluer vers une relation amicale. Bien que cela puisse être moins excitant, cela est considéré comme normal, car l'amitié est souvent une issue plutôt qu'un point de départ pour l'amour selon Gustave Le Bon. Cette relation amicale peut être utile à un moment donné. Par ailleurs, la vie conjugale pourrait être instable et des conflits d'autorité pourraient survenir. Il est conseillé de faire preuve de prudence pour éviter les conséquences négatives dans le domaine financier. Il est également recommandé de restreindre les dépenses pour éviter les imprévus désagréables. En ce qui concerne la vitalité, il est important de ne pas pousser les limites de sa résistance et de se reposer suffisamment. Sur le plan professionnel, le climat devrait s'améliorer et être plus favorable, ce qui entraînera un sentiment d'optimisme et de succès. Avec les parents âgés, les relations seront harmonieuses et leur expérience sera bénéfique. Les relations avec les enfants seront également positives. Enfin, les sorties entre amis apporteront du bonheur et de l'épanouissement. Horoscope Scorpion. Des turbulences sont à prévoir dans votre relation amoureuse, avec des malentendus et des tensions dues à un manque de diplomatie. En revanche, si vous êtes célibataire, vous brillerez et séduirez facilement. Sur le plan financier, vous élaborerez une stratégie à long terme pour consolider votre situation et réaliser des transactions profitables. Il est important de régulariser vos heures de sommeil et de repas pour retrouver de l'énergie. Un voyage ou un déménagement pourrait résoudre certains problèmes professionnels et la chance sera de votre côté. Dans votre famille, évitez de prendre parti lors de discussions animées et utilisez vos qualités de diplomate pour régler les différends. Soyez prudent en cas d'affaires litigieuses, de procès ou de procédures de divorce, car des surprises désagréables pourraient survenir. Horoscope Sagittaire. Vous serez animé de désirs contradictoires, recherchant à la fois la stabilité conjugale et des aventures exaltantes. En tant que célibataire, votre cœur ira bien et les planètes vous stimuleront, vous faisant croire en la grande passion et le grand amour. Il est conseillé de garder certaines illusions, mais de rester en contact avec la réalité. Il est préférable d'attendre quelques jours avant de régler des problèmes financiers compliqués. Soutenu par la planète Saturne, vous ferez preuve de lucidité. Vous serez en bonne forme physique et votre moral sera fort.
les troubles digestifs auxquels vous êtes souvent exposés seront en régression. Dans le travail, il y aura des changements impromptus de programme, mais vous saurez vous adapter. Vos relations avec vos proches seront faciles et harmonieuses grâce à l'influence de Vénus. Dans votre foyer, une ambiance chaleureuse régnera. Vous aurez de nombreuses opportunités de profiter de l'amitié avec une majorité de belles planètes influençant ce secteur. Cela promet de la joie et de l'animation, comme des invitations ou des voyages entre amis. Horoscope Capricorne. Cette journée sera pleine de surprises dans le domaine amoureux, notamment si vous êtes du deuxième décan. Vos aspirations amoureuses seront satisfaites et vous ferez une rencontre inattendue ou vivrez des moments romantiques. Sur le plan financier, les influences astrales sont très favorables. Profitez-en pour renforcer votre situation matérielle et envisager de nouveaux investissements à long terme. Vous aurez beaucoup d'énergie grâce aux bonnes influences martiennes, mais vous ne saurez pas toujours l'utiliser de manière positive. Parfois, vous vous concentrerez sur des projets ambitieux, tandis que d'autres fois, vous vous disperserez. Soyez prudent lors des discussions d'intérêt dans votre travail et adaptez-vous aux circonstances avec pragmatisme. Vous aurez d'excellentes relations familiales et saurez désamorcer les conflits avec vos proches. Une personne qui vous a déçu auparavant regagnera votre estime grâce à son courage et à sa sérénité face à des difficultés. Vous découvrirez de belles qualités chez cette personne que vous n'aviez pas soupçonnées. Cela montre à quel point il est difficile de vraiment connaître quelqu'un. Horoscope Verseau. Aujourd'hui, les célibataires sont encouragés à prendre des mesures radicales pour améliorer leur vie amoureuse. Il est important de rétablir l'équilibre émotionnel et de clarifier ses sentiments. Bien que la stabilité du couple ne soit pas remise en question, la sensibilité accrue peut causer des tensions. Il est recommandé de maîtriser ses émotions et de faire preuve d'objectivité. Uranus favorise les gains lors de jeux de cartes entre amis plutôt que les jeux de hasard. Les aspects paisibles de Neptune apportent un peu de calme dans le rythme de vie actuel. Il est conseillé de profiter de ces moments pour se ressourcer. La journée sera exaltante sur le plan professionnel, avec la possibilité de réaliser des tâches dans des conditions agréables et d'obtenir des résultats remarquables. Il est également important de régler les problèmes familiaux afin d'éviter des tensions futures. Il est recommandé d'éviter les maladresses dans les relations avec les personnes de son entourage, en particulier avec le conjoint, les supérieurs et les collègues. Horoscope Poisson. Avec cette ambiance astrale, il est conseillé de prendre des résolutions pour améliorer votre relation conjugale, comme rentrer du travail à des heures raisonnables et être plus tolérant envers votre conjoint. Si vous êtes célibataire, il peut être difficile de savoir ce que vous voulez. Vous ressentez de la solitude, mais dès que quelqu'un s'approche de vous, vous vous éloignez. De plus, les conseils de vos amis ne font qu'ajouter à votre confusion. Prenez du recul et réfléchissez par vous-même. Sur le plan financier, Vénus devrait vous apporter de la chance, mais évitez de prendre trop de risques et méfiez-vous des envies d'achat impulsives. Vous pourriez ressentir des inquiétudes concernant le vieillissement et la perte de vos charmes. Sachez qu'il est possible de ralentir ce processus en prenant une cure de sélénium tous les semestres. Sur le plan professionnel, c'est une période propice pour prendre des initiatives et faire des contacts utiles. Ne négligez aucune opportunité qui se présente. Les tensions célestes peuvent avoir une influence négative sur vos relations familiales. Vous pourriez être momentanément rebelle et avoir envie de vous occuper de vous en premier. Sous l'influence de trois planètes dynamisantes, vous ne compterez pas vous laisser marcher sur les pieds et refuser les compromis.